J'aimerais tourner cette vidéo encore pour vous dire que, à la base, j'avais d'autres intérêts dans ma vie que passer mes journées à la maison, dans ma cuisine. Je passe des journées entières enfermées dans ma cuisine. Je n'ai personne avec qui vivre, avec qui faire des choses. Je trouve tellement absurde parce que je pense sincèrement qu'on est à la fin du monde, qu'il nous reste très peu de temps pour annoncer un message de fraternité universelle des peuples. Pour essayer de réconcilier les peuples entre eux et faire la paix, afin que nous puissions offrir au feu du Saint-Esprit une humanité digne de ce que le Créateur nous a donné. Tous ces cadeaux que Dieu nous a faits dans cette magnifique création qui nous entoure et que nous apprécions, mais que nous détruisons par toutes sortes de façons possibles et imaginables. C'est le mal, le Satan, l'orgueil dans le cœur de l'homme qui fait ça. Et disons, moi j'ai un projet qui est assez simple. Je souhaiterais voyager autour du monde dans des conditions simples mais décentes. Je ne souhaite pas aller en hôtel ni fréquenter des endroits de luxe. Je souhaite voyager avec un fourgon aménagé. Passe-partout, accompagné d'Edouard Thomas et de quatre moines. Ça peut être des moines de la tradition, ça peut être des moines de la fraternité Eucharistine. C'est égal. Et je souhaiterais avoir les moyens d'accomplir ce voyage avec Édouard, que je considère comme mon compagnon de vie, mon âme sœur, ma seconde moitié. Et je souhaiterais que beaucoup d'autres personnes qui en ont les moyens commencent à voyager et à annoncer la bonne nouvelle du royaume et qu'ils puissent être libres de le faire en toute quiétude, sans avoir peur d'être zigouillé, mis à mort, la tête coupée ou la gorge tranchée. Et moi, ce qui me rend triste, c'est que j'ai l'impression que le monde va se terminer et que les hommes continueront jusqu'à la fin à s'entre-déchirer, à être avares, à ne pas vouloir partager, à ne pas vouloir faire justice à leurs prochains. Beaucoup de corruption, même en Suisse, même dans nos pays occidentaux. Beaucoup de corruption dans les départements de police, justice, psychiatrie et surtout la presse. Le Nouvelliste spamme tous mes messages que je poste sur leur compte Facebook. Ils éliminent tous mes messages, Macron aussi. Et je ne comprends pas pourquoi les autres sont entendus et moi pas. Quel est le problème? Où est le problème? Il y a bien un problème. Si moi, je ne peux pas poster librement les messages que je souhaite en ligne et que d'autres personnes sont autorisées et moi pas. Je trouve qu'il y a quand même un problème.
En tout cas, je vous conseille de vous préparer au pire. Parce que je pense, ma vie devient de plus en plus insupportable, insoutenable. Je suis enfermée dans une prison en Suisse. Mais je pense que la prison concerne pas seulement la Suisse, mais le monde entier. Nous sommes tous pieds et poings liés les uns contre les autres. C'est divisé pour mieux régner, beaucoup de partis différents qui s'opposent, qui se haïssent, qui s'entre-déchirent et personne n'est capable de trouver un point d'entente. Et je pense que dans ces conditions, Dieu va en finir avec l'humanité très bientôt. C'est ce que je pense, malheureusement.